Excellences, Monsieur le Vice-président, je me trouve à votre domicile avec le vice-président de la Fédération Comorienne de Football et mon directeur de cabinet pour vous remettre officiellement le nouveau maillot de l'équipe nationale de Sélakant. Ce maillot m'a été envoyé par le sélectionneur et l'ensemble des joueurs qui ont participé à l'événement de Comores-Ghana le 13 novembre et le match retour le 17 novembre au Ghana. Tout ça, c'est pour vous montrer leurs félicitations à votre égard. Vous montrer qu'ils ont compris que le pays est derrière eux. Ils ont compris que vous les avez accompagnés depuis leur arrivée ici. Parce que c'est grâce à vous qu'ils sont venus ici, à partir de la France, la billetterie, les hôtels, tout ça, on a à remercier le gouvernement et à travers le gouvernement, vous-même. Alors, le vice-président et moi-même, on nous a chargés de venir vous remettre le maillot. Voilà, c'est officiel. Vous gardez le maillot de l'équipe nationale. Je vous remercie, monsieur le vice-président. Merci bien. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le vice-président. Vraiment, c'est un moment de joie. De joie pour moi. Un moment d'émotion. C'est ça. Mais vraiment, ce cadeau, c'est un cadeau que je garderai éternellement et que je garderai tout le temps avec moi. Merci. Parce que c'est un symbole. C'est un symbole de la fierté d'une nation. D'une nation. Très bien, monsieur le vice-président. Cette nation tout entière a accompagné grands et petits, femmes et hommes, notre équipe de Sélakant qui a brillé, mais qui a surtout fait briller les Comores à travers le monde. Donc, le meilleur cadeau que notre équipe de Sélakant puisse me faire, ils me l'ont fait en donnant toute cette joie, toute cette mobilisation populaire qu'ils ont provoquée au niveau des Comores pendant leur passage chez nous. Ma contribution, la contribution du gouvernement est modeste par rapport à leur contribution à eux, parce que cette équipe, il a le mérite et nous continuerons de l'appuyer, de l'aimer, de l'applaudir parce qu'elle va aller de succès en succès puisque les Comores sont maintenant à l'étoile du football international. Merci beaucoup. Il faut aller en avant, Sélakant des Comores. Aujourd'hui, on va gagner. Reste toujours prudent.